Perfect. Bonsoir à tous et voici le nouveau Volkswagen Tiguan avec l'animation des feux arrière et avant travaillé, technologique. Ce Tiguan se veut vraiment le petit Touareg du moment. On va voir ça ensemble, une découverte de nuit. Allez, on regarde l'animation tranquillement de nuit sur la partie avant. Éclairage du bandeau lumineux à LED sur la longueur de la calandre et ici bien sûr en option les feux IQ Light qui permettent de rendre ce nouveau Volkswagen Tiguan technologique. Allez, on fait le tour ensemble. Comme ça. Allez, comme ça, je te prends à froid Ludo. Oh, mais ouais. Mais encore vous. Et à chaque fois on se voit sur des Volkswagen. c'est fou ça. C'est fou. Allez, on active le grand temps. Mais alors, ouais, t'en penses quoi de nuit? Regarde cette animation. Ça t'as raison Florian. Ouais. C'est super les signatures lumineuses. Moi, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors certains diront que c'est un gadget. Je peux comprendre. Alors, non, moi je dirais pas ça. Franchement, moi j'adore. J'ai toujours. T'aimes bien. Alors, ça c'est quand même la vraie signature Volkswagen. Ouais. C'est ça, les bandeaux à l'arrière et à l'avant. Et à l'avant. Ah, mais ils en mettent de partout. Mais c'est une marque de fabrique. C'est une marque de fabrique. C'est la signature technologique, si tu veux. Bah, on reconnaît que c'est une Volkswagen. Exactement. T'as tout compris. Remarque, chez Porsche, ils l'ont fait bien avant. Hein, et chez Audi aussi. Et chez Audi aussi. Bon, il y a un petit peu de. Hein, bah, de ça reste le même groupe. Hein, d'inspiration, on dira. Mais effectivement, t'as raison. Ils ont pioché dans la bonne. Et puis regarde. Oh là là. Bravo. Remontre-nous à la main. Oui, on y va. Allez. Et regarde. Mais regarde. Alors. Et puis je vais te montrer un truc après, tu vas voir, c'est assez intéressant. Alors vas-y, regarde. Tu vas me le faire deux fois alors. Je vais te le faire même trois fois si tu veux. Petite animation de nuit. Regarde. Oh, et alors, le petit logo. Le petit logo. Mais alors attends, mon petit Ludo. Mm. C'est pas tout. Regarde-moi ça, cette partie-là. Ah oui. Tu regardes. Vas-y. Allez, vas-y. Tu regardes. Je vais filmer ton impression, t'as le droit de crier. Fais-le-moi. Regarde-moi ça. Regarde. Alors attends. Faut que j'éteigne le contact et là regarde le spectacle. Oh là là, 19 200 LED. Mais 19 200 LED. Tu les as comptés ou pas? Mais oui, je les ai toutes vues. Non mais c'est génial. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est génial. Ouais, franchement, c'est mignon. On s'amuse bien avec ce Tiguan quand même. Ouais, ouais. Il est plus fun et plus technologique. Ouais, ouais, ouais. Effectivement, bah, bravo. En tout cas, merci pour la démo. Bah je t'en prie. Du coup, tu vas me la faire. Eh bah oui. Hein, allez, vas-y, je te fais tout de suite. Ludo, il en revient plus. Ah, là, non, mais moi, j'adore. C'est beau, c'est pas mal, mais c'est vrai que t'as raison. Hein. C'est bien travaillé à l'intérieur. C'est bien. C'est bien ce qu'ils font. Ouais, c'est pas mal. Une vraie ambiance. Et c'est vachement bossé, regarde. Moi, je suis étonné. Hein. Franchement, c'est pour ça que je fais une vidéo de nuit, parce que honnêtement, il y a un vrai travail de fait. Et c'est important maintenant l'ambiance lumineuse de nuit. Certains pourront dire que c'est un gadget, mais en vrai. Tu l'as compris depuis bien longtemps. Ouais, c'est clair. Et les autres se sont inspirés, voire copiés. Hein. Jamais égalés. Audi a certainement été un des premiers. Ah oui. C'était à cause d'eux que je suis fan de ça. Grâce. Bah écoute, merci beaucoup Ludo. Avec plaisir. Passe une bonne soirée et puis on se revoit prochainement. À très vite. Mais oui. Ciao. Ciao. Bon les amis, je voulais quand même vous faire voir quelque chose d'assez intéressant sur ce Tiguan qui s'est vraiment transformé en un SUV compact familial, certes, mais vraiment technologique. Et franchement, il y a un travail de fait sur vraiment l'animation. C'est juste incroyable. Surtout l'intérieur avec ici, regardez, la petite molette qui est vraiment la petite molette magique. Et puis un intérieur avec un éclairage, comme le dirait Ludo, une constellation travaillée aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Alors à l'arrière, c'est un petit peu plus nuancé. On est juste sur un éclairage des portières. À l'intérieur des portières et à l'avant, par contre, c'est vraiment waouh, c'est vraiment la grande technologie. Je vais essayer d'allumer un tout petit peu, mais vous voyez que quand même il y a un vrai travail de fait sur les lumières d'ambiance et ce qui rend vraiment ce Tiguan encore plus technologique qu'avant. Et regardez ça, je trouve ça magique. C'est un bouton sur lequel vous pouvez gérer à la fois les modes de conduite ici, voyez, tac, éco, confort, sport et individuel. Et si vous faites ça, vous avez un mode qui va permettre de personnaliser, en plus de l'éclairage d'ambiance, des atmosphères. Et je vais vous montrer ça tout à l'heure, c'est assez intéressant. Et puis regardez-moi ce grand écran de 15 pouces, c'est juste énorme. Je vais essayer d'augmenter un petit peu, voilà, le grand écran. Mais en termes d'éclairage, on est sur des parties vraiment bien travaillées sur les portières ici, avec ces, effectivement ces petits points lumineux. Et puis un travail de
d'éclairage ici sur cette partie-là. Et puis même au niveau des pieds, vous avez un éclairage. Et vous avez un éclairage aussi personnalisable sur la molette centrale. C'est vraiment bien pensé. Franchement, je suis ultra surpris de voir cet éclairage d'ambiance. Et puis surtout, la technologie aboutit pour une fois sur une Volkswagen qui ne lag pas. Le système multimédia vraiment parfait. On peut rentrer dans les réglages des réglages. Et ça, j'adore. Et puis, regarder derrière l'écran, franchement, c'est vraiment très quali en termes d'animation. C'est très beau en termes de graphisme, mais franchement, ça change des anciennes interfaces qu'on avait l'habitude de voir. Et là, voilà, en termes d'éclairage d'ambiance, c'est compris dans la finition Airline. Alors, on est sur un modèle qui vaut plus de 48 000 euros ici dans cette finition Airline, motorisation, essence, ITSI, 150 chevaux. Et là, vous pouvez, bah là, vous êtes un petit peu habitué, mais regardez comment on peut paramétrer de différentes couleurs l'éclairage d'ambiance parmi 30 couleurs sur chaque niveau, premier niveau, deuxième niveau. Et voilà, donc là, c'est pas forcément les meilleures des couleurs. J'aime bien, moi, vous savez, le violet avec un peu de rouge. Et vous voyez, c'est quand même très sympa à l'intérieur. Franchement, c'est très, très, très quali. Bravo, Volkswagen. Alors, en termes de navigation, heureusement, ils ont revu les boutons. Ce ne sont plus des boutons à retour haptique ou sensitif. Et vous allez pouvoir paramétrer différents affichages. La consommation, par exemple, à gauche. Bref, plein de choses. Mais je voulais vous montrer quelque chose d'assez intéressant. Je vais vous montrer, si vous cochez l'option IQ Lite, j'ai pu le tarif de cette option. Mais c'est une option sur tous les modèles. Regardez quand même aussi ces jolis sièges baquets. De qualité, avec vraiment un beau design et surtout un excellent confort. Je vous invite vraiment à regarder mon essai complet sur ce nouveau Tiguan. Je reviens sur l'IQ Lite. C'est quelque chose d'assez intéressant, c'est que vous allez pouvoir paramétrer, par exemple, ici, l'animation. Vous avez une petite animation lorsque vous éteignez le véhicule avec les feux Matrix LED HD avec 19200 LED, hein, ça vous avez pu le voir. Vous pouvez aussi paramétrer l'animation des blocs arrière. Vous avez trois animations ici et vous pouvez aussi éteindre, désactiver l'animation. Ça, c'est plutôt cool aussi. Et puis, autre effort de fait aussi sur la partie multimédia et l'ergonomie, c'est maintenant vous avez des touches rétroéclairées pour gérer le volume sonore et la température. Et ça, c'est plutôt magique. Pareil, vous avez aussi la possibilité de paramétrer ici des raccourcis qui vont permettre directement, pourquoi pas, de désactiver, activer la clim et d'autres raccourcis pour désactiver, par exemple, l'alerte de survitesse qui est un peu gênante au quotidien, cette alerte. Voilà, vous avez plein de choses, plein de réglages partout. Et ça, c'est ce qu'on apprécie à bord. Là, vous avez quand même des petits boutons sensitifs. Malheureusement, ils en ont gardé quelques-uns, mais c'est vrai que vous avez une planche de bord ultra épurée parce que bah, c'est la mode hein, de tout rassembler à l'intérieur de cet écran. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit la taille de cet immense écran, c'est presque la taille de ma télé ou au moins de mon PC. 15 pouces, c'est énorme. Là, vous avez d'autres fonctions comprises dans, je crois, la finition Airline avec là les sièges massants côté conducteur et passager aussi, parce que le passager n'est pas oublié. Vous avez aussi bah, toutes les aides à la conduite ici regroupées de cette manière-là. Point négatif, je trouve, c'est ici le commodo de vitesse qui est derrière, qui reprend le commodo de vitesse des versions électriques, où ils ont tout rassemblé ici pour gagner de la place ici. Vous avez un double étage où vous pourrez mettre deux téléphones portables, même des iPhone Pro Max, ça rentre, tous les deux, on a testé. Et c'est aussi des chargeurs induction qui permettront bah, de recharger confortablement vos téléphones, mais surtout qui seront rafraîchis. Il y a une ventilation intégrée, donc ça c'est plutôt pratique. Deux prises USB-C cette fois-ci. Et puis vous avez un deuxième étage avec une matière antidérapante, ça c'est plutôt pas mal. Là aussi vous avez des petits rangements. Alors là vous n'avez plus trop un bac de rangement, vous avez un espèce de... Ouais c'est un bac mais pas vraiment rangement. Avec un accoudoir aussi vous pouvez régler en hauteur et en profondeur. Et puis voilà quand même un éclairage de qualité. N'hésitez pas à me dire les amis ce que vous en pensez de cet intérieur, de ce nouveau Tiguan. Moi, je trouve qu'il est vraiment réussi, à la hauteur, en tout cas en termes de technologie, qu'un BMW X1, qu'un largement un Peugeot 3008 qui est très limité en termes de technologie et de personnalisation. Et puis, voilà, vous avez plein de choses. On peut vraiment tout paramétrer. C'est ça qui est bon. Moi, j'adore me perdre dans les menus. Et là, vous pouvez vraiment aller très, très loin en termes de réglage. Voilà, vous avez le réglage des projecteurs, un faisceau matriciel.
J'adore. Franchement, je suis autant je pouvais critiquer l'univers multimédia de Volkswagen, mais là, franchement, c'est vraiment top. Là, l'ouverture du coffre avec le mouvement de pied, l'intérieur, vous pouvez tout choisir. Et puis, je vais vous montrer quand même la petite molette, le petit bouton magique. Donc là, ici, en plus, ce qui est génial, c'est que regardez, dès que j'approche mon doigt, il y a le système qui repère et qui permet d'indiquer la fonction de cette touche. Ça, c'est vraiment cool. Et puis, je rappuie ici, hop, et là où j'avais la personnalisation, hop, alors je peux même éteindre le volume ici, il y a quand même des boutons raccourcis et pratiques, et là je peux aussi gérer les atmosphères. Alors je vous ai montré tout à l'heure que je pouvais gérer les modes de conduite, et là les atmosphères, vous avez plusieurs atmosphères, joy, lounge, énergétique et minimal, et mi, c'est personnalisable. Et regardez, en fonction de ça, vous avez un éclairage qui change à l'intérieur, hop, mi, énergétique, joy, et vous avez même le fond de compteur qui change en fonction des modes de conduite, et ça c'est vraiment pas mal, hop, voilà, et mi, voilà, et vous avez toute cette partie là aussi qui change d'animation, de couleur, c'est vraiment pas mal. Et ça, bah, je vais vous montrer un petit peu comment ça se personnalise, parce que en fait, ils sont partis assez loin chez Volkswagen. C'est que quand vous personnalisez le mode Mi, alors hop, on bascule là sur l'écran de paramétrage, et là, vous pouvez à la fois gérer les ambiances lumineuses. Alors, je veux du rouge, je mets du rouge. Je veux, voilà, ça c'est les différentes ambiances pré-paramétrées. Vous pouvez mettre le volume sonore de la radio. Ou de votre playlist que vous aurez intégré ici. Alors ça peut être connecté à Spotify. Et puis vous pouvez aussi modifier ici le mode sport, le mode réduit, le mode hop, le mode classique, ce que vous voulez. Et ça, bah, je trouve que c'est un petit plus encore une fois technologique. Alors certains diront c'est un gadget. Alors oui, peut-être. Mais pour moi ça participe, si vous voulez, à l'ambiance technologique de ce Tiguan. Et pour moi dans la catégorie, bah c'est encore du jamais vu en termes de personnalisation et en termes d'ambiance. Donc franchement, une belle surprise sur ce nouveau Tiguan. Je suis assez surpris. Et puis voilà, l'infodivertissement franchement est vraiment pas mal. Alors en termes d'ergonomie, certains pourront décrier le fait que c'est pas ultra ergonome, mais je trouve que c'est beaucoup plus ergonomique qu'un BMW X1 par exemple. Là on a tout sur cet écran, énorme écran. Et puis voilà, vous pouvez personnaliser aussi vos moods. Enfin, c'est sans fin et ça c'est vraiment génial. Et puis pareil, vous pouvez aussi personnaliser la lumière, la luminosité par exemple de chaque partie éclairée. C'est vraiment, vraiment pas mal. Et bah, bravo Volkswagen, clairement. Alors, il y a des choses à redire, bien sûr. Tout n'est pas parfait. Si je dois citer quelques critiques, c'est aussi ces commodos-là, à gauche, pour à la fois les clignotants et aussi la gestion du balai d'essuie-glace. En termes de réglage, je vais essayer de régler un petit peu avec vous les différents paramètres. Mais on peut régler, je sais pas moi, l'éclairage confort. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, on l'a vu. L'animation des feux arrière, on l'a vu. Qu'est-ce qu'on peut faire extérieur, habitacle, on peut regarder l'affichage tête haute, pareil, je peux l'activer ou le désactiver, je peux régler sa position, je peux régler aussi les différentes palettes de couleurs de l'affichage tête haute, je peux régler les différentes informations qui sont présentes dessus. Non, franchement, il y a vraiment de quoi faire. Là, je peux aussi régler le digital cockpit. Qui est, je crois, de 12 pouces. Bref, ça respire la technologie. Allez, si je dois critiquer un petit peu, c'est ces petites palettes ici en plastique qui sont voilà, qui respirent pas vraiment la qualité. Mais au-delà de ça, franchement, on est sur un intérieur très technologique, voire premium. Et puis en termes de réglage, on peut aussi régler la climatisation. Je vous ai pas dit, mais on peut gérer de manière automatique la clim. On peut gérer le chauffage des pieds, des mains, enfin bref, il y a plein de petits programmes qui sont installés. Alors, je vais désactiver la clim, désactiver aussi la ventilation pour éviter les bruits perturbateurs. Qu'est-ce que j'ai là? C'est un bruit. Ah oui, d'accord, là c'est. Il y a plein de petits paramétrages. Et après, si vous voulez, je peux mettre la caméra de recul. Hop. Je vais démarrer et on va voir la caméra de recul. Là, vous avez les projecteurs qui s'ajustent. Hop. Et la petite caméra de recul de nuit, écoutez, ça reste correct sur un grand écran, c'est pas mal. J'ai Cyril qui me regarde. Tu veux venir? Allez, vas-y, viens. Hello.
Waouh, et franchement c'est super techno hein. Je suis impressionné. C'est joli, ça, hein. Ah c'est magnifique. Et puis je peux vraiment le paramétrer de se dire différentes couleurs. Rien, hein, tu vois, je peux faire ça. Ah ouais. Tu vois, ça fait, j'ai créé différents moods là, ouais, énergétiques. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Stylé. Et je te réserve un petit spectacle de nuit, son et lumière, ou plutôt lumière sur ce Tiguan. Là, je parlais juste de la caméra de recul. Bah écoute, de nuit, pas vraiment d'intérêt, mais en tout cas, elle reste de qualité et surtout efficace pour y voir. Voilà, éviter de qualité, éviter de rayer les jantes. Hein, voilà. Bon, j'éteins le véhicule, je te fais voir rapidement, tu vas voir. Petite animation. Voilà les amis, j'espère que cette petite découverte de nuit vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, qu'est-ce que vous faites? Bah bien sûr, le petit pouce levé vers le ciel, vers le haut. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne Vlog Cars Passion, à activer les notifications pour ne rien rater des nouvelles vidéos sur la chaîne. Et moi, je vous dis à très vite, de jour comme de nuit. Ciao, ciao.